Bienvenue sur TV, bienvenue sur Question Directe que reçoit aujourd'hui M. Sélou Dalan Diallo. Sélou Dalan Diallo ne présente plus au Sénégalais, au monde, c'est un opposant guinéen, on le sait. C'est le patron de l'UFDG, l'Union des Forces Démocrates de Guinée. Aujourd'hui, il est l'une des pièces maîtresses du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution Guinéenne. M. Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où vous êtes ici au Sénégal. Et une situation se passe à côté du Sénégal, voisin du Mali, c'est le Mali, où la situation est confuse. En tant qu'homme politique, quelle analyse faites-vous de cela? Écoutez, je n'aime pas toujours commenter la politique dans les pays voisins, où j'ai beaucoup de sympathisants, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. De façon générale, donc généralement, je m'abstiens d'intervenir dans le débat interne de ces États, notamment les pays voisins. Ceci dit, je sais que la crise au Mali était là depuis pratiquement quelques mois avec les manifestations contre la mauvaise gouvernance et l'exigence des contestataires qui portent sur le départ du président. Bon, je sais que la CEDEAO est venue au secours du Mali pour essayer d'aider les Maliens à sortir de la crise. Malheureusement, la crise perdure. Je ne sais pas quelle est l'issue. Bien entendu, on a vu ce matin qu'il y avait une tentative ou un coup d'État. Je ne sais pas à l'heure actuelle qu'est-ce qui prévaut. Je souhaite que les vies humaines soient préservées et que le Mali, la démocratie, l'État de droit puissent s'imposer par rapport à toutes les velléités des uns et des autres. Apparemment, le combat que mène l'opposition malienne, c'est le même que vous menez en Guinée. Vous trouvez un peu de similitudes dans votre combat, celui de l'opposition malienne? Oui, il y a quand même des différences. Les contestataires maliens qui regroupent la société civile et les leaders politiques, c'est à peu près la même configuration du fait FNDC. Il y a les leaders des partis politiques, il y a des organisations de la société civile. Quant à nos revendications, il y a une nuance importante. Les Maliens demandent que le président Ibeka démissionne avant la fin de son mandat. Les Guinéens demandent à ce que M. Alpha Condé ne s'engage pas dans un troisième mandat, d'autant plus que c'est interdit par la Constitution. Donc voilà la nuance. Hein. Les Maliens veulent que Ibeka, en raison de la mauvaise gouvernance qu'il lui reproche, renonce dès maintenant au pouvoir. Les Guinéens disent, bon, M. Alpha Condé a fait les deux mandats légaux, à la fin du deuxième mandat, la Constitution lui interdit de se présenter, il faut qu'il se soumette donc aux dispositions de la Constitution. Le président Condé a fait la réforme de la Constitution. Aujourd'hui, son parti lui demande de se représenter. Il diffère sa réponse. Il appelle à des élections le 18 octobre prochain. Est-ce que vous êtes persuadé qu'il va y aller? Oui, c'est évident. Vous savez, il s'est beaucoup investi pour ce troisième mandat ou cette présidence à vie. Je vais peut-être rappeler le contexte. Vous savez que la Guinée a connu beaucoup de violences. Des violences entraînées par le souci de la conservation du pouvoir. Parce qu'en 2001, la Guinée, sous le général Lansana Conté, a fait modifier la Constitution. Il s'en est suivi en 2006, en 2007, des mouvements qui ont entraîné la mort de plus de 150 personnes. Lorsque le capitaine Dadis est arrivé au pouvoir, il a voulu aussi s'y maintenir, malgré la promesse qu'il avait faite d'organiser des élections et sans s'y présenter. Il y a eu les massacres du stade du 28 septembre en 2009, si bien que lorsque nous sommes rentrés dans la transition, on a rédigé une constitution consensuelle. On a dit qu'il fallait encadrer justement les mandats et la durée des mandats présidentiels. Donc on a verrouillé systématiquement. On a limité les mandats, on a réintroduit la limitation des mandats et on a verrouillé. On a dit que nul ne peut exercer plus de deux mandats, consécutifs ou non. Et le président de la République a prêté serment sur cette constitution qu'il a juré de respecter et de faire respecter. Et il a même demandé, en cas de parjure, qu'il connaisse, qu'il puisse appliquer la loi. Bon, à la fin de son deuxième mandat, il a estimé qu'il ne fallait pas lâcher le pouvoir. Donc il a engagé
des actions qui montraient clairement qu'il veut s'octroyer une présidence à vie. Et bien entendu, société civile, partis politiques, intellectuels, artistes, on a créé le FNDC pour le dissuader. On a organisé de grandioses manifestations qui ont mobilisé tantôt plus de 2 millions de personnes à Conakry, à l'intérieur du pays, même à l'étranger, partout où les communautés guinéennes étaient présentes et fortes. Des manifestations ont été organisées pour marquer l'opposition des Guinéens à cette présidence à vie, à ce projet de troisième mandat qui du reste est anticonstitutionnel. Malgré tout, M. Alpha Condé a réprimé les manifestations. Aujourd'hui, il y a 99 Guinéens qui ont été abattus lors de ces manifestations. 99, sans que jamais M. Alpha Condé ne veuille diligenter une quelconque enquête pour situer les responsabilités et déférer devant les tribunaux les criminels. Donc une impunité totale, même pas de sanctions administratives à l'endroit des policiers, gendarmes et autres militaires qui se sont rendus coupables de ces massacres. Donc là, le FNDC a continué son combat pour refuser le référendum qu'il avait engagé. Il n'y a pas eu, heureusement, vote. Le scrutin a été sanglant. L'armée est sortie, les policiers. Et puis, il a déclaré des résultats qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé dans les urnes. Il a installé donc un parlement, puisqu'il avait décidé de coupler le référendum aux élections législatives. Je vous dis, il y a un parlement qui n'est pas du tout légitime. Je donne quelques exemples parce que les gens ont boudé et ont empêché même parfois des élections, je dois l'avouer. Et vous prenez une circonscription électorale comme Dalaba, le député uninominal, le député de la circonscription est élu avec 371 voix sur 85 000 électeurs inscrits. À l'Abbé, la circonscription de l'Abbé qui compte 185 000 électeurs, il n'y a que 2300 qui ont voté pour le député de l'Abbé qui siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas ni représentatifs ni légitimes. Bref, M. Alpha Condé a continué par la force, la répression, donc à dérouler son agenda. Alors que la pandémie était déjà déclarée en Guinée, il a organisé son scrutin. Le FNDC, en toute responsabilité, a décidé d'observer une trêve pour aider à préserver la santé et la vie des Guinéens. Et même M. Alpha Condé, lui, il a profité de ça pour dérouler son agenda, installer son assemblée, promulguer sa constitution. Alors, je vais ouvrir une parenthèse sur cette constitution. Ce qui est arrivé en Guinée n'est arrivé nulle part. Il y a le débat eu à RFI, d'ailleurs, ils l'ont reconnu. Un constitutionnaliste sénégalais était l'un des invités. Il a dit qu'on n'a jamais enregistré des cas comme ça. Le texte que M. Alpha Condé a soumis au référendum, qui a été approuvé et validé par la Cour constitutionnelle, signé et visé par le ministre de la Justice, publié dans le journal officiel, qui est censé être le texte approuvé. Au moment de la promulgation, M. Alpha Condé sent qu'il a de nouveaux besoins qu'il n'avait pas intégrés. Il change complètement la Constitution, il modifie 21 articles et supprime un, renforce les pouvoirs du président et promulgue une Constitution différente de celle qui a été soumise au peuple. Donc, on a ce cas. Est-ce que vous devez saisir les juridictions? Oui, on a saisi la Cour constitutionnelle qui n'a pas eu le courage de demander au président de promulguer la Constitution qu'elle, elle a validée et qui a été publiée au journal officiel de la République. Parce que vous vous souviendrez qu'il y avait un président de la Cour constitutionnelle qui avait exprimé des fortes réserves par rapport à la modification de la Constitution ou à son changement. M. Alpha Condé l'avait viré dans des conditions cavalières et a mis quelqu'un qui a prêté serment à lui et qui est là, qui ne pourra pas, naturellement, qui n'a pas osé demander au président de publier plutôt la bonne version, le bon texte. Est-ce qu'il a saisi les instances internationales? Oui, la CEDEAO a été saisie, oui. La CEDEAO a été saisie. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, beaucoup pensent que la Guinée va vers les élections en octobre prochain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter encore des mauvaises... Oui, vous aviez posé la question de savoir est-ce qu'Alpha va répondre favorablement à la demande de son parti. Mais ça, c'est juste un peu une comédie. Il a tellement investi. Il a fait tuer près de 100 Guinéens, je vous l'ai dit. Il a renoncé à beaucoup de solides amitiés qu'il avait avec des gens, des hommes de principe et de conviction, de beaucoup de Sénégalais qui ont essayé de le dissuader.
Mais non, il a refusé systématiquement, il a coupé pratiquement tout contact avec des amis qui l'ont accompagné depuis plus de 40 ans. Son image à l'international, son image de grand combattant pour la démocratie, d'opposant historique, qui pensait on se battait pour les valeurs de démocratie, d'état de droit, eh bien, il a perdu. Son image est complètement abîmée sur la scène internationale en raison de la violation récurrente des droits humains, en raison justement de la violation des principes et des règles de la démocratie et de l'état de droit, de la violation de sa parole. Comme je l'ai dit, il a prêté serment deux fois sur cette constitution, jurant de la respecter et de la faire respecter. Et malheureusement, et en demandant même qu'en cas de parjure, que la loi lui soit appliquée. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la Guinée, et surtout par rapport à ce qui se passe dans la sous-région. Les gens estiment que si le Mali aujourd'hui bascule, la Côte d'Ivoire qui est dans une situation aussi difficile avec Alassane Ouattara qui a demandé le troisième mandat, et si ça passe en Guinée aussi, les choses pourront avoir des répercussions sous-régionales. Oui, évidemment. Bien sûr, vous savez, notre sous-région, l'espace de la CEDEAO, notre sous-région était considérée en termes de démocratie, en termes d'état de droit, était considérée comme une région qui était en avance sur les autres parce qu'on n'avait plus pratiquement de pays où la limitation des mandats n'existait pas. Je crois que le dernier, c'était la Gambie, mais tout ça semblait rentrer en ordre. Mais comme disait votre doyen Babacar Justin Ndiaye, il était convaincu que si la digue guinéenne saute, toute la plaine de la CEDEAO serait inondée de troisième mandat. Bon, je ne sais pas si ça va arriver, mais en tout cas, au niveau de la Guinée, nous avons lutté, et le peuple guinéen doit continuer à lutter pour empêcher le troisième mandat. Nous souhaitons que dans l'espace CEDEAO, que ce principe de limitation des mandats soit respecté. Parce que, bon, je pense que c'est une manière de favoriser l'alternance démocratique et que l'alternance ne soit pas obtenue par les armes. Or, s'il n'y a aucun moyen d'obtenir l'alternance par les urnes, évidemment, le risque de passer par les armes existe, ce que nous ne souhaitons pas pour notre sous-région. Moi, j'ai une grande inquiétude parce qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a de la violence, il y a des morts. Les gens sont inquiets par rapport à la jeunesse guinéenne qui se fait tuer pendant ces manifestations. Oui, évidemment, le bilan macabre de nos manifestations, je vous ai dit que dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat, nous avons 99 morts. Mais avant, dans les manifestations pour réclamer l'organisation des élections législatives ou locales, on avait déjà 104 morts, ce qui fait aujourd'hui qu'on est à 203 morts, souvent tués à bout portant, pendant les manifestations. Et pour tous ces cas de meurtre, il n'y a jamais eu d'enquête. M. Alpha Condé a voulu toujours, pour avoir la sympathie des forces de défense et de sécurité, leur garantir une impunité totale lorsqu'ils tuent ses opposants. C'est très mal connu cette situation, parce qu'elle est inacceptable partout. Lorsque on a ôté la vie à un citoyen dans un pays, de la sous-région, et vous savez, ça soulève beaucoup de protestations. Mais en Guinée, avec 203 personnes, qui ont été tués. Jusqu'à présent, aucune enquête, on n'a pas mis même une réaction forte de la CEDEAO. Nous avons déploré d'ailleurs le manque d'attention des chefs d'État de la CEDEAO vis-à-vis de la Guinée. Je dois même reconnaître que le Mali a eu droit justement à une attention plus forte, puisque dès la première manifestation, évidemment, il y a eu des délégations au niveau technique, au niveau ministériel et même au niveau des chefs d'État. Alors qu'en Guinée, jusqu'à présent, malgré les dégâts, malgré les assassinats, l'impunité, malgré la violation de la Constitution et des lois de la République, malgré la crise, malgré l'organisation d'une élection législative sans l'opposition, on n'a jamais vu vraiment le chef d'État de la sous-région. Je pense que la Guinée méritait plus d'attention parce que notre espace, il y a un devoir de solidarité. Et la CEDEAO est gardienne du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la gouvernance qui interdit le changement de constitution à la veille. Par exemple, l'élection présidentielle, surtout si ce changement ne vise qu'à maintenir au pouvoir un président qui était là et dont le mandat a été terminé.
Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous expliquez aujourd'hui le manque d'attention de la CEDEAO vis-à-vis de la Guinée africaine? Non, je le dis fort. Vraiment, je pense que le Mali a bénéficié beaucoup, beaucoup plus d'attention. Et non, pas du tout. On n'a pas vu les chefs d'État venir, malgré les morts, malgré, j'ai oublié de le rappeler, on a eu un charnier où plus de 20 personnes ont été enterrées nuitamment pour justement dissimuler les meurtres à Zérékoré. Et on a crié, on a lancé des OS, des SOS partout, mais on n'a pas senti vraiment la CEDEAO. La CPI devait s'occuper justement des massacres en Guinée concernant les 150 morts quand Denis Camara était au roi. Parce que le président l'inquiète, piétine, semble-t-il. Il n'y a pas de justice. Il y a plus de 10 ans que le massacre du 28 septembre ont eu lieu depuis septembre. La CPI laisse toujours le soin aux juridictions nationales de s'occuper de ça, mais M. Alpha Condé ne veut pas avancer sur ça, ne pas toujours s'aliéner le soutien certainement de certains militaires qui seraient présumés responsables de ces meurtres. Donc jusqu'à présent, l'impunité est pratiquement assurée pour les forces de défense et de sécurité qui se livrent à de telles pratiques, assassiner des citoyens. Vous savez, au stade, c'était 155 morts, 100 femmes voilées et 100 disparus, sans disparition. Et tout cela avait ému la communauté internationale à l'époque, mais jusqu'à présent, on continue d'attendre. Et je dis, depuis que M. Alpha Condé est là, on est aujourd'hui à 203 morts tués lors des manifestations. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de justice. Vous déplorez le silence des instances africaines, mais on a l'impression aussi que la communauté internationale ne s'occupe pas trop bien de la Guinée. Oui, écoutez, je dois d'avouer qu'il y a eu un changement depuis un an. Je pense qu'au niveau de la presse, au niveau même des déclarations, même si elles ne sont pas aussi fortes qu'on l'aurait souhaité, la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne et l'Union européenne ont fait des déclarations, par exemple, déplorer les conditions dans lesquelles le double scrutin a été organisé le 22 mars et surtout ils ont condamné les violations, la violence et les violations des droits humains qui ont accompagné ce double scrutin qui n'a été selon eux ni démocratique ni inclusif. Oui, le monde est frappé par une maladie qui s'appelle la coronavirus, une pandémie qui touche le monde et ce qui fait que certains pays se recroquevillent sur eux-mêmes. Est-ce que cette pandémie n'est pas une occasion un peu de délaisser un peu la politique internationale sur beaucoup de questions? Oui, ça a joué, ça a énormément joué. Et Alpha en a profité, je dis Alpha Condé, il en a largement profité pour continuer à dérouler son agenda. Et il veut imposer une date si proche, hein, le 18 octobre, étant donné qu'il sait que ses opposants n'auront pas suffisamment de temps pour se préparer et pour naturellement se faire déclarer vainqueur ce scrutin, parce que pour rien au monde, il est prêt à renoncer à ce troisième mandat. Il a déjà violé son serment, violé la constitution sur la base de laquelle il a été élu et sur laquelle il a prêté serment. Il a renoncé à beaucoup d'amitiés qui lui étaient très, très chères, parce que c'est des gens de principe qui ont essayé de le dissuader. Et aujourd'hui, je sais qu'il n'est pas prêt à renoncer à son projet. Et le fait de faire attendre les gens, le suspense là, ce n'est que pour un peu de la comédie. Hein. Il ne peut pas faire tout ce qu'il a fait, commettre le parjure, tuer autant de Guinéens, créer des fosses communes pour dissimuler les meurtres, et puis renoncer à ce troisième mandat. Est-ce qu'il y a élection le 18 octobre et qu'il y va? Est-ce que vous êtes prêt, vous, en tant qu'opposition, à participer à cette élection? Écoutez, le parti va examiner la situation et décider. C'est un parti démocratique, l'UFDG. Si Alpha est candidat, ça nous pose un problème parce que la nouvelle constitution, on ne l'a pas reconnue. Le laisser seul aller se déclarer candidat, on va tout faire pour continuer à empêcher sa candidature. À défaut, on avisera. S'il décide de se présenter, qu'est-ce que vous allez faire? Ben écoutez, on va se concerter au niveau du FNDC et de l'opposition politique pour essayer de prendre une décision de manière consensuelle. Il ne faut pas prendre une décision solitaire au niveau du FDG. On est dans cette coalition qui s'appelle FNDC, qui a mobilisé beaucoup de Guinéens pour s'opposer à ce troisième mandat. Évidemment, actuellement,
la CEDEAO a bougé un peu timidement. Samedi passé, on a eu une visioconférence avec le conseil des ministres de la CEDEAO, qui était représenté par le ministre des Affaires étrangères du Niger, du Nigeria et du Burkina Faso, qu'ils veulent lancer un dialogue, essayer de lancer un dialogue en Guinée pour essayer d'aplanir les divergences afin d'aller à des élections, disent-ils, inclusives et apaisées. Bon, mais il y a beaucoup de conflits entre l'opposition et Alpha Condé. Est-ce que ce dialogue aurait lieu? Est-ce qu'il permettra d'aplanir les divergences? En tout cas, il y a beaucoup de conflits actuellement et il faut, si on veut la paix, la stabilité, des élections apaisées, il faut s'attaquer aux sources de conflits. Alors, le premier conflit, c'est le troisième mandat qui a mobilisé autant de monde en Guinée, à l'étranger, et ensuite qui est une violation non seulement du protocole d'accord de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, mais de notre propre constitution consensuelle et sur la base de laquelle Alpha a été élu. Et ensuite, il y a eu cette assemblée légitime et légale qu'il a mise en place, monocolore. Il faut la dissoudre. Il faut annuler carrément le double scrutin et essayer de voir comment aller à une élection présidentielle et à une élection législative crédible et transparente. Ça a été la première revendication du FNDC lors de cette rencontre avec les ministres de la CEDEAO. La réunion a été présidée par le ministre des Affaires étrangères du Niger. Et bon, cette délégation au niveau ministériel a rencontré également la mouvance et la CENI. Et partout, ils ont senti qu'il y a des problèmes. On a un problème de fichiers. Vous savez, au Sénégal, ici, il y a une forte communauté guinéenne qui n'a pas été recensée parce que le président de la CENI a décidé de ne pas procéder à un enrôlement ici, parce qu'on sait qu'ici, 90% des Guinéens votent pour l'opposition, généralement pour l'UFDG. Alors qu'on a près de 1 million de Guinéens en droit de voter, ici aujourd'hui le fichier ici c'est moins de 30 000 Guinéens. Ils n'ont jamais voulu les recenser, ça fait partie des faiblesses du fichier. Mais il y a beaucoup de doublons, beaucoup de fictifs qui avaient été constatés même par une mission d'audit menée par l'OIF, l'Union européenne et les Nations unies. Souvent, l'opposition en Afrique, elle est unie quand elle fait un combat vers un objectif. Mais à chaque fois que l'échéance approche, on sent des fois des fissures. Est-ce que vous êtes sûr que votre front va tenir? Ben, écoutez, il y a toujours des risques, hein, d'éclatement. Hein. Il y a déjà quelques partis, un parti en tout cas qui a dit avec ou sans Alpha, il participera aux élections. Mais ceci dit, je pense qu'on doit faire l'effort. Si on est pour l'alternance, compte tenu des préjudices, des dégâts importants que Alpha a causés, non seulement à l'égard de l'unité de la nation, parce qu'il a divisé, il a introduit du tribalisme partout, c'est pas décent d'en parler, un leader républicain comme moi, je n'en parle pas toujours, mais il faut le dire que Alpha a divisé la Guinée, a instrumentalisé l'ethnie pour pouvoir diviser les Guinéens afin de mieux régner. Il y a eu donc le recul démocratique qui est énorme depuis qu'Alpha est là. Il n'a jamais organisé des élections à bonne date et jamais d'élections transparentes. C'est la fraude massive à tous les niveaux, des hold-up, des mascarades, et parce que malheureusement, après 10 ans de pouvoir, il est incapable de gagner une élection. Vous vous souvenez des résultats de 2010, vous étiez là. Il n'a eu que 18% lorsque moi j'avais 44%. Et c'était un coup de force avec la complicité du gouvernement de transition et même du parti de la communauté internationale qu'il a pu s'emparer du pouvoir, mais il n'a jamais été élu. Aujourd'hui, il est beaucoup plus faible. Il est décrié même dans son propre camp. Vous avez suivi les manifestations qui se sont déroulées ces derniers temps à Cancan, où il est complètement contesté et il n'est vraiment accepté aujourd'hui nulle part. Après 10 ans de mauvaise gouvernance, de corruption, de violence et de violation des droits humains, mais également de recul de la démocratie et de l'état de droit. Donc aujourd'hui, une élection transparente, ça ne nous inquiète pas, c'est lui qui en a peur. Alpha a peur d'une élection transparente. C'est pourquoi il s'est enfermé
sur lui-même. Il ne veut pas d'implication des partenaires techniques et financiers dans le processus électoral. Et il n'a jamais voulu de dialogue parce qu'il n'a pas raison. L'opposition a tellement d'arguments qui soutiennent ses revendications que si on est en face d'un médiateur, c'est facile de mettre en évidence vraiment la mauvaise gestion d'Alpha et son mépris des principes et des règles de la démocratie et de l'état de droit. Donc il est contre le dialogue, il est contre la transparence des élections et il veut commettre les crimes électoraux sans témoin. Il ne veut pas d'observateurs étrangers, il ne veut pas d'assistance technique de ceux qui ont habituellement l'habitude d'accompagner la Guinée dans l'organisation des élections. On a vu que vous avez toujours travaillé dans l'opposition avec les